Hey yo les gens, c'est Drac Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur un jeu qui est sorti il y a un moment, déjà pas mal de youtubeurs l'ont fait, House Flipper. Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est un jeu où on rénove des maisons, on refait un peu tout intérieurement. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Alors moi je l'ai sur le Game Pass, donc bien sûr je l'ai gratuit pendant un certain temps. Et c'est vrai que j'avais déjà vu pas mal de youtubeurs faire de ce jeu quelque chose de bien. Et c'est vrai que le jeu est pas mal. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et on ira faire bien sûr un truc ensemble. Alors bien sûr j'irai pas faire une grosse maison parce que clairement les grosses maisons ça peut être très long. Donc voilà. Donc je vais vous mettre le petit écran en arrière. Donc Flipper, donc voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà commencé quelque chose. Alors je suis pas allé loin. Par contre, j'ai un petit truc à vous demander. Pour ceux qui ont déjà joué à House Flipper, est-ce que on peut améliorer notre maison? Est-ce que sur le futur, on peut avoir un truc un peu plus grand? Parce que clairement, c'est vrai que bon, c'est un bureau machin. C'est vrai qu'un lit puis un truc comme ça, c'est tout. C'est vrai que moi, je voudrais bien avoir un truc un peu plus grand. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai déjà amélioré un peu tout ça. Donc, c'est parti. Deux salles de bain, c'est le minimum. Donc, on a deux, trois petites explications. Donc, notre cabanon. Moi, alors, je suis un peu dégoûté parce que ce qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas tondre. Alors, est-ce qu'on peut tondre? Est-ce qu'on peut faire pas mal de choses? Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Aussi à vous abonner pour ceux qui sont pas abonnés. Et puis voilà, de toute façon, je crois bien que vous connaissez un peu la chanson, un peu avec tous les youtubeurs qui existent. De vous abonner, de partager, de mettre la cloche, de laisser un petit commentaire. Surtout les commentaires. Je sais que pas mal de personnes regardent mes vidéos, mais qui n'osent pas ou voilà, que vous ne mettez pas de commentaires. Ou je les vois pas. Je sais pas, pour ceux que je connais, dans ces coups de temps-là, ceux qui me connaissent ou au minimum, bah voilà, j'ai mis un commentaire, mais ça ne se met pas. Donc, comme vous le voyez, j'arrive à mon petit chez-moi. Donc, mon extérieur a clairement changé. Hein. J'ai changé l'entourage de la maison. Normalement, il était noir dégueulasse, donc j'ai changé. Il y a la porte qui a changé aussi, j'ai mis un autre fond, donc on va rentrer. Donc, comme vous le voyez, j'ai clairement modifié, hein, clairement j'ai complètement changé, donc un peu bureau gaming qui est très sympa, avec un petit lit. Alors qui est un peu dommage, c'est parce que le lit est contre le radiateur, donc c'est un peu dommage qu'on puisse pas bouger le radiateur. Donc avec une petite étagère, la petite cuisine qui est sur le côté, donc c'est plutôt sympa, même si on n'a pas utilité du machin. Un petit bureau, un petit écran, une petite étagère avec un fauteuil et 2-3 livres. Nous avons une petite salle de bain qui, moi je trouve qui est plutôt pas mal. Alors je trouve qu'il y a pas mal, il y a peu d'espace quand même pour une salle de bain, mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Donc avec un radiateur à mur, vous avez donc l'évier qui est là, le petit toilette et la petite salle de bain qui, la petite douche qui est pas mal, avec un joli petit lampadaire. Donc bien sûr j'ai tout refait de A à Z, hein, que ça soit voilà, c'est propre, c'est nettoyé comme ça, je suis tranquille au niveau de ma maison. Au niveau des ventes de recherche, j'ai fait déjà une vente. J'ai fait la petite maison de camping. J'ai fait un bénéfice. Donc j'essaierai d'agrandir pour que vous voyez. Donc j'ai fait un bénéfice. Donc c'est ce qui est en vert. Et normalement le prix de vente de la maison était à 29 000. Donc clairement, clairement j'ai fait un bon bénéfice. J'ai fait pas mal de petites modifications. J'ai cassé, alors je vais vous montrer sur la photo parce que je peux pas trop y retourner, c'est un peu dommage. Donc ben j'ai cassé le mur qui est là, la salle de bain je l'ai innové un minimum. Puis voilà, après je verrai si je referai une vente avec vous ou quoi que ce soit.
sur le long terme, mais vu que les prix, j'ai pas mal d'argent, mais c'est vrai que les prix montent assez rapidement et flambent très vite même. Là, par exemple, on a une maison à la montagne. Là, on a une maison sur la lune, je l'avais jamais vue. Et le château. Alors là, clairement, le château. Oh là là. Alors, je pense qu'il y a eu pas mal de nouveautés parce que le château et la lune, je pense pas qu'il y était avec les youtubeurs que je regardais. Alors, c'est vrai qu'il y en avait 2-3 qui faisaient les premières maisons, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu c'est sympa. J'ai fait pas mal de mails aussi, pas mal d'articles, voilà, pas mal de petites mises à jour pour au minimum m'améliorer. Et on va aller à Angélique Caltin, maison Kishi. On va aller faire. Donc ma vieille tante s'est retrouvée à l'hospice et elle risque de ne pas sortir de sitôt. Je ne me retrouve avec sa maison et globalement pas terrible. Je préfère la raser en fer, construire une autre, mais je sais pas les moyens de la maison super kitsch. Raison à la maison d'une mère célibataire en difficulté, presque comme la mienne en fait. Haha. Remplacer les vieilles armoires par des normales, cadres et murs. Vous pouvez aussi les jeter au gros. En gros, faire quelque chose pour que, pour l'instant, disons, dire que la maison a des clous, je peux, style élégance. Ok, à la prochaine. Donc, on va cliquer sur accepter. Donc, on part en quête de la maison. Oh, elle est pas mal, la maison. Extérieurement, elle est déjà pas mal. Parce que j'ai déjà fait pas mal de petits trucs, les genres de un vieux qui me demande pour de la location et les jeunes. Alors bon, ça arrive aussi chez nous, mais quand je vois le jeu où tu vois des tonnes de bouteilles, des tonnes de sacs poubelles ou des trucs comme ça, moi je dis que vous êtes des gros dégueulasses, que ça soit faux ou pas vrai, ou que ça soit dans la vie réelle. Je dis que vous êtes des gros dégueulasses. Clairement, ça devrait pas arriver, ces trucs-là. Vous êtes né avec des parents qui vous ont élevé. J'espère que vos parents se retournent pas ou quoi que ce soit pour vous dire, mais putain, t'es un gros porc, quoi. Parce que clairement, moi, je laisserais ma baraque comme c'était. Comme je le vois sur le jeu, je me prendrais des gros coups de poing dans la gueule. Hein. Et moi, je me fâcherais, hein, putain. Alors, c'est parti, donc voyons voir un peu ce qu'on a à l'intérieur. Photo, hôtel, vente objet. Donc, buffet de salle à manger, vase, tapis. Ouais, elle veut que je vende tout, quoi. Alors, on va vendre tout. Pourquoi elle ne fait pas un vide-grenier? Alors ça, par contre, c'est ce qui est marrant, c'est que les photos, bon, quand ça veut pas se vendre, ça nous le dit. L'appareil nous le met en rouge, donc clairement, ça nous met non, peut pas vendre. Donc clairement, ouais, ouais, c'est du vieux mobilier. Après. Moi, je dis qu'il y a certains vieux mobiliers qui peuvent être intéressants. Ok, détruire... Hein ? Ah, putain. Détruire le mur. Ok. Alors, j'ai encore un truc verrouillé, je sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord. Ah, bah j'ai amélioré ma masse. Je pensais pas que... Thank you.
toujours attaquer bien correctement. Ah, c'est la cuisine. La cuisine, c'est nous, Ishmit. La pub à la con. Ça, c'est un... Alors bon, il y a des parties, par exemple, autant que je vous le dise, il y a des parties, le mieux c'est clairement de jouer à deux. C'est clairement de jouer à deux sur des jeux comme ça, parce que clairement, je me suis retrouvé à faire une école qui a fallu... j'ai mis une heure, non même, ouais, presque une heure, et le truc c'est que c'est très long. Donc le mieux c'est, ouais, au minimum deux voire trois. Mais je crois bien que c'est deux le maximum. Ok, et on attaque au-dessus. Ça, on n'en parle plus. Alors c'est un jeu qui peut être intéressant, comme je vous dis, d'être à plusieurs, hein, parce que clairement, quand on se retrouve à être tout seul, bon, quand c'est des petites maisons, ça va. Mais quand c'est des grosses baraques où il faut commencer à peindre, à nettoyer, à machin, à rajouter des trucs, à changer le sol, parce qu'il y a aussi le changement de sol. Ouais, c'est très long. C'est très très long. Ah. Je veux pas qu'on vende la lumière. Ça non plus. Faut nettoyer. Non, faut pas nettoyer. Ok. Alors, îlot de cuisine, acheter objet, chaise de bar, gnagnagna, on change pas la couleur, blanc, alors moi j'aime bien faire de façon que ça soit potable, donc ce que je veux en venir, c'est que par exemple, c'est que le blanc, je vais surtout l'utiliser pour le mur qui est au minimum salon, donc jusqu'ici. Parce que là, par exemple, là, il y avait voilà, je pense. Bon, moi, je peux faire deux pans en même temps. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça... Bon, on va dire... Pour déjà faire tout le pan de mur, c'est déjà pas mal. Mais je pense que... Bref, après, il faut que je m'améliore. Je trouve qu'il n'y a pas assez de choses pour améliorer les pinceaux ou les trucs comme ça. J'ai plus de peinture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce côté-là en blanc. Là. Normalement, je vais venir jusqu'ici. Et après, je mettrai en couleur de l'autre côté. Comme ça, ça fera blanc et orange, je crois. C'est orange mandarine. Comme ça, ça fait un une double couleur. Et clairement, c'est mieux parce que le blanc quand il fait jour, c'est sûr que on voit mieux. Clairement, quand il fait jour, on voit mieux. La luminosité fait que ça vient.
Bon, c'est un jeu qui est très calme, hein. C'est sûr que ça sort de l'ordinaire, d'un jeu où, bah, par exemple, vous jouez à Fortnite. C'est sûr que ça change clairement le but du jeu. On va pas les tirer dessus avec de la peinture, même s'il y a un jeu qui existe avec de la peinture, mais qui est sur Switch, donc. Ah, ça n'a pas été fini le blanc. J'ai pas pris assez de blanc, j'ai l'impression. Je suis à combien de... Ah ouais, je suis à 29. Je suis à 29 mètres carrés. Et, normalement, 29 mètres carrés, le mieux, c'est de prendre un gros pot, quoi. C'est un blanc cassé, ça, c'est un blanc casse. Alors non, c'est pas de l'alcool. Et heureusement. Je pense que je vais pas arriver jusqu'au pont de mur là. Ah si, petite, peut-être. Peut-être. Oh si, je vais y arriver. Alors est-ce que je fais... je vais changer de couleur. Pof. Hop. Hop. Alors, je sais pas si en amélioration il y aura un meilleur rouleau pour que ça se tienne un peu plus longtemps au niveau de la peinture, parce que c'est vrai que on fait que de recharger. Alors, je vais vous dire quelle heure il est. Il est 6h16, parce que après ma vidéo. Après la vidéo, je vais aller faire mon sport du matin. Alors non, pour les gros cochons, non, je vais pas faire du sport de lit. Je vais aller courir, comme tous les matins. Parce que vu qu'il fait bon et en hiver, ben on a souvent le cul vissé sur une chaise quand on est... Je pense tous un peu youtubeurs ou même streamers, on a tous un peu le cul vissé sur une chaise. Et même pour ceux qui jouent en temps normal, moi je vous inviterai à aller faire un peu votre sport, que ce soit avec vos parents ou avec n'importe qui, avec vos amis ou quoi que ce soit, même du vélo, ça peut toujours être sympa. Voilà. Un petit côté blanc. Ouais, il est plutôt cassé quand même, le blanc, hein, je trouve. Je trouve qu'il est plutôt cassé. Donc, pof. Alors, on va vendre la peinture. Alors, comme vous l'avez remarqué sur l'écran en haut à gauche, à droite, pardon, il y a encore un mur qui va falloir être cassé. Donc, on va taper. Taper un petit sprint. C'est quoi ça? Îlot de cuisine avec évier. Ouais. C'est quoi cette rose là? Voilà, un petit côté gris parce que bon. Ah oui, alors moi, on va me dire qu'est-ce que tu fais? Mince, oups. Ah oui, alors moi, je suis plutôt
plutôt couleur très est-ce que je la mets comme ça? Bah c'est un îlot ou c'est une... Ah oui, c'est un îlot. J'étais en train de me dire, mais l'évier, il est bizarrement mis... C'est que là, je suis un peu coincé. Alors attendez, je vais le mettre là. Ah merde, j'ai mis la lampe torche. Je vais voir ce que j'ai parce que. C'est... Ouais, on va laisser comme ça, blanc-marron. C'est très bizarre comme. Je peux pas la mettre. Qu'est-ce que tu fous par terre, toi? Oh merde, c'était un interrupteur. Oh, c'est con ça. Un interrupteur là. Est-ce qu'il y en a d'autres là? Il y en a un là. Alors, oh, ça fait bizarre deux interrupteurs. Bon, bah, on va le caler là. Ça fait bizarre, mais j'ai pas le choix. Toc. Bizarre en fait leur évier là. Je sais pas, y a un truc qui me dérange avec l'évier là. Y a un truc qui me chagrine là avec ce truc là. C'est un îlot, mais le truc, c'est que vu qu'il n'y a pas la place pour mettre un truc comme ça dans une baraque comme ça, je suis un peu sceptique. Donc pour les mettre, c'est un peu chiot. C'est un peu chaud. Ou le mettre là, le bar. Je vais coller les chaises là. Je me suis trompé de positionnement. Peut-être la mettre comme ça. Merde. Oh, bah c'est chiant ça, les îlots. Par contre, le carrelage, on peut pas l'enlever hein, parce que ça fait horrible le carrelage là. M'emmerde toi. Hein. Alors après, un refri japonais. Ouais, si tu veux.
Hop. Il y en a, ils ont des drôles de... d'envie quand même. Hop là. Pile de votre manette, ta gueule! Faut pouvoir passer aussi, parce que bon... avec leur bêtise là. C'est pas feng shui tout ça quand même, hein. Plus de ça, il y a un canapé à mettre. Je suis en train de me poser la question. Elle va où la porte là? Oh, c'est le bordel! Qui a eu l'idée de péter le mur? Clairement, punaise. Oh, tant que je suis payé à la fin, j'ai envie de vous dire. Mais le truc, c'est que ça fait... Je suis pas très... là, clairement, la maison... en fait, le pan... ce truc-là, là, ne serait pas là. Ça serait encore mieux parce que le truc c'est qu'il serait renfoncé donc il serait bien. Mais là clairement... Dragonnier, ok. Voilà. Et un meuble TV. Mais y'a pas de télé, y a pas de télé, tu veux mettre une télé, toi? Mettons pas de touche. C'est chelou. Faut que je recule. Ouais, mais il y a la porte là, c'est pareil. Parce que là, le gros souci. Ah bah non, là ça va où? Ça va dans la salle de bain. On a rien à foutre dans la salle de bain, tant mieux. Je trouve ça horrible. Vous me direz en commentaire comment vous trouvez la salle. Mais moi, je n'apprécie pas du tout le design de la salle. En fait, c'est l'îlot qui cache tout, qui gâche tout. Il y a ce truc-là de merde-là qui... Ouais, qui gâche. Parce qu'on a la cuisine qui est là, l'îlot avec un robinet. Et encore, ça sera un îlot tout simple, machin. Ça m'aurait pas dérangé, mais là, c'est vrai que là, ben... Bon, qu'est-ce qu'on a là? Objet à vendre, allez, hop, on va en brocante. Oh bah oui, bah tu veux que je vende, je vends. Oh putain. Vends le canapé aussi. Toc. Et la porte. Il y en a quoi là? Un lit, un canapé, allez, hop, en brocante, comme dirait le perrot, et hop, placé, disparaît, bah oui, j'ai déjà dégommé le mur, et puis après on verra, mon poteau, hein. Alors, négociation du mur, et hop, tu dégages. Puis c'est pareil, la peinture chez eux, c'est abonné absent, hein.
contre, vous avez pas les mêmes bruits. Bon, moi je suis pas allé au... J'ai pas mon casque, mais vu que j'ai... pour prendre un peu comment ça se déroule au niveau de la caméra. Bah, vous avez pas les mêmes bruits. Moi ça fait toc toc, que vous ça explose bien. Casser, wesh. Allez. Et ben là. Alors normalement faudrait mettre des masques, des machins, des lunettes. Non, non, lui il tape à la masse et sans lunettes, sans truc. Bon, faut dire que bon, pour un jeu... Ben voilà. C'est plus clean. Plus clean. J'ai encore un interrupteur qu'à sauter. Allez hop, l'interrupteur ici. C'est soit je la mets là, mais il y a l'interrupteur. Quoi, c'est cette armoire là qui a 2 mètres de fond là. Oh, mais c'est pas une armoire. Ah, il y a l'heure là, chef. Bah, tu la bouges, du con. Regarde, la mets là, en plein milieu, voilà. Pas chier. Bon, au moins c'est une des maisons où j'ai pas besoin de nettoyer les vitres. Ça, c'est plutôt cool. Citron, acheter, objet. Oula. Alors bon, là c'est juste une peinture. On va prendre de la grosse. Même s'il m'en restera un peu, au moins je serai tranquille. Parce qu'on a quand même 28 mètres carrés. Quand on a 28 mètres carrés, faut... Alors normalement, faut nettoyer le pinceau, mais bon. Allez, on nettoie. On lave. Et c'est parti. C'est chiant, ça. Rouleau, 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 rouleau. Voilà, on voit déjà mieux, hein? Pour vous, mes petits abonnés, vous voyez mieux. Hop. Par contre, je veux bien que ça soit une vieille maison, hein? Mais même mes grands-parents, même mes papis et mamies, ils ont un minimum de classe quand même pour quand ils ont une baraque quand même. Ça s'appelle du foutage de gueule pour les vieux, là.
Par contre, là, il n'y a qu'une peinture, c'est tant mieux. Alors, si elle veut vendre la baraque, moi, j'aurais mis du blanc dans la chambre, mais bon. Chacun ses goûts et ses couleurs, comme dirait l'autre. À part si elle veut dormir dedans. Allez. C'est ce qui est le plus long. On peut passer le coup de peinture. Si, ça fait plutôt bien en fait. Je pensais que ça faisait un peu plus, ça faisait un peu moins propre, mais non, ça va. Je sais combien, 61%. Je mets pas assez de peinture sur les machins. Pourtant, ça va vite. Vous avez plus de peinture sur le rouleau, ah bon? Alors normalement, au rouleau comme ça, ça devrait couler. Hein. Pour ceux qui ont un peu d'expérience. De peinture, que ce soit en bâtiment, en voiture ou en quoi que ce soit, il y a toujours une coulure ou quoi que ce soit. C'est jamais propre, quoi. On va pas. C'est obligé d'en avoir un peu à côté pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et moi, quand je vois qu'il est au rouleau et qu'il fait que ça, surtout pour. Pour les prises ou les machins, les trucs comme ça. J'ai une amélioration. Ça, les améliorations, je les fais toujours à la fin. Toujours mieux. C'est quoi cette connerie? Tu oublies un truc là ou quoi? Voilà, et hop, on voit la peinture. Alors, lit double. Ok, c'est parti, Marcel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un lit double pour madame. C'est japonais, hein. C'est tout à fait lit japonais. Hein. Alors après, je dis ça, mais à tous les coups, c'est même pas japonais. Hein. Non, on va le mettre là. Entre les deux fenêtres. Si tu veux bien venir par là. Voilà. Impeccable. Alors, après, nous avons le bureau d'angle pour madame. Oh, c'est quoi ce bureau d'angle là qui fait 2 mètres de long là. Oh! Ah bah ça s'appelle con. Il est où le truc? C'est con, hein? Manette déconnectée. Oh. Hop
là, elle est plus déconnectée. Bon, alors attendez. On va être obligé de bouger le machin là, parce que sinon ça va pas aller. Il va me faire chier longtemps. Peut-être pas dans le couloir là, parce que il y a déjà pas assez de place. Peut-être là. Ah non, j'ai peut-être une idée. Hop. Hop. Oui, je sais, j'ai les piles à la manette qui sont déchargées. Hop. Là où là? Non, pas le bio. Pas le lit, le machin. Oula. Un peu loin. Voilà. Pourquoi il fait ça, guignol de mur là? Voilà. Ça. Pourquoi il va à 2 mètres le machin là? Je lui ai pas demandé de. Il part à perpète le machin. Voilà, le petit bureau de madame. La petite chaise. On va y mettre rouge parce que. Que les japonais aiment bien le rouge. Voilà. Et la table de gauche. Attention, gauche. Et la table de droite. Pour messieurs, dames. On touche pas les couleurs, hein. On n'est pas raciste. Ben voilà. Ben voilà. Une belle chambre. Elle est mieux que l'entrée, putain. Bah, c'est quand même mieux que le que ce coin là, hein. Oh la vache, il y a tellement de lampadaires que j'aurais pu me pendre. On peut pas l'enlever celui-là? Non. Et non plus. Oh bah j'ai une idée. Voilà. Je t'ai pas dit de t'enlever toi. C'est pas point chui tout ça, hein? C'est pas qu'une chui? Attendez, on va regarder un peu s'il y a rien. Là, il y a rien. Là, il y a quoi? Il y a rien à faire. J'aime bien regarder un peu à droite à gauche, surtout dans les baraques qui sont comme ça. Et, comme vous direz l'autre. Attendez. Ah, c'est auto. Économique. Oh putain. Allez hop. On quitte la baraque à la con. Allez hop. Merci, au revoir. Et je me suis fait un bon bénéfice, hein, j'ai l'impression. Bah tant mieux. Alors normalement c'était mon chez moi ça. Mon pouioui, comme dirait l'autre. Donc j'ai fait pas mal de modifications, pas mal de changements, hein, comme vous le voyez. Ah bah j'ai tout vendu, que ça soit la douche et tout le tralala. Et j'ai tout vendu, ce serait bien d'avoir un cadre dans la chambre. Putain,
Il va falloir que je fasse attention dans les prochaines vannes quand c'est du gros. Il y en a qui vont me demander des cadres, des machins, des trucs, des bidules, des... Oh. Donc voilà, avec un bon petit bénéfice, j'espère que cette petite... Alors, c'est un peu dommage, alors moi, au niveau du jeu, je le trouve plutôt pas mal. Je le trouve plutôt, même plutôt bien. On voit bien que c'est aux États-Unis. Je sais pas si c'est aux États-Unis en fait. Mais moi, ce que je trouve qui est un peu dommage sur un jeu comme ça, c'est qu'on puisse pas améliorer sa propre truc en fait, son propre bâtiment au minimum sur le long terme. Alors après, je sais pas. Hein, j'attendrai vos commentaires. Vous me direz, bah voilà, si on pourra faire, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. Mais par exemple, le jeu est quand même sur une bonne catégorie, moi je le trouve. Je sais qu'il est sur Steam, je sais qu'il est là en ce moment, il est sur Xbox gratuit avec le Game Pass. Après, je pense qu'il doit être à peu près au même prix que sur Steam, donc à 19,99. Bon, 20€ quoi. Mais si vous voulez le tester, pour ceux qui sont sur Xbox, qui se disaient, bah tiens, je voudrais bien le tester, machin, tout machin. Ben, je vous invite à aller le tester. Donc voilà. Je vous laisse sur ça. Merci encore. Et je vous dis à la prochaine, les gens. C'est Drake Survie. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo. Et on se dit à la prochaine.